Salut tout le monde, c'est le Mix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir trois choses, trois news que j'ai actuellement. Donc c'est trois news qui sont franchement incroyables. Parce que ce sera pas des news genre ouais Fortnite. Bon bref, vous avez compris. Là c'est vraiment trois news. Surtout la dernière, on va parler de Travis Scott. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager. Franchement ça me ferait super plaisir. On vise les 10 000 abonnés. Donc si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Franchement ça me ferait super plaisir. Pour ce, bonne vidéo. Donc en premier temps, il y a Fortnite qui vont mettre une nouvelle compétition, donc comme l'arène. Donc là ça va être des scrims, donc il y aura les scrims open pour les joueurs étant minimum division 3. Donc c'est assez simple franchement, on arrive facilement à la division 3, franchement c'est gratuit. Et il y aura les aura scrims pour les joueurs et qui ont atteint minimum le top 500 au FNCS de la saison 5 chapitre 2, donc la saison dernière. Donc cela se jouera en trio, donc ça c'est dommage, franchement j'aurais bien aimé que ce soit en solo, mais ça sera en trio, donc voilà, va falloir trouver un trio. Il y aura 3 séances par semaine et les joueurs les plus performants de la ligue open seront promus à Aura Scrim la semaine qui suit quoi. Mais les joueurs les moins performants ou les inactifs de l'Aura Scrim seront rétrogradés en Open League la deuxième semaine. Par contre, il n'y aura pas de récompense, mais cela va pouvoir vous entraîner et ça franchement c'est le plus important. Ah oui, et cela commencera le 27 avril, bien évidemment, faut dire la date quand même, parce que si on sait pas quand ça commence, bon bref. Pour la deuxième information, on va parler du skin Neymar. Donc le skin a été annoncé et arrivera aussi le 27 avril. Donc et cela signifie qu'il y aura sûrement une mise à jour. Donc franchement, le skin Neymar, je suis assez mitigé parce que franchement, c'est le skin secret de la saison 6. Franchement, j'aurais bien aimé avoir la fondation parce que franchement, le skin Neymar, il a rien à faire en skin secret dans le pass de combat quoi. Genre, ça devrait être un skin en partenariat, donc ça devrait être un skin qui serait dans la boutique, etc. Mais sous certaines rumeurs, apparemment, le skin, la fondation sera dans le pass de combat ou le skin secret de la prochaine saison, donc de la saison 7 qui arrive dans 44 jours ou à l'heure où je tourne cette vidéo. La saison se terminera le 8 juin, donc voilà. Et pour la dernière information, celle que vous attendez tous, donc le skin Travis Scott a été mis à jour dans les fichiers du jeu, donc cela signifie qu'il va sûrement arriver. Et là vous nous dites, ouais mais quand? Certains pensaient qu'il allait sortir dans la boutique le jour du concert, donc le samedi 25 de l'année dernière. Donc c'était un samedi, donc ouais c'était hier à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que moi je tourne là dimanche 25. Mais il n'est pas revenu, donc beaucoup avaient un peu le seum. Mais sous plusieurs rumeurs, il devrait sûrement venir le jour de son anniversaire, donc le 30 avril, donc vendredi prochain. Donc tous ceux qui veulent l'acheter, franchement, s'il arrive le 30 avril, ce qui est très fortement possible, franchement allez-y, foncez, franchement c'est une occasion à mon avis, il ressortira pas avant un an minimum en tout cas, donc voilà, franchement achetez-le parce que beaucoup ne l'ont pas acheté l'année dernière mais l'ont regretté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez courte, je suis vraiment désolé, mais j'avais pas d'idée d'autres de vidéos. Donc j'ai voulu parler de ces trois choses qui étaient vraiment importantes, parce que franchement, par exemple pour la compétition, là il manque franchement de compétition, le mode arène il est ennuyant et tout, donc franchement ça fait du bien d'avoir une nouvelle compétition. Donc en fait ça va durer 3 semaines, et si ça marche bien, genre si les joueurs aiment bien etc, ils mettront ça en continu, donc franchement ça serait vraiment cool, parce que le mode arène ça devient ennuyant à la fin. Mais bon bref. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager, franchement ça me ferait super plaisir. On vise les 10 000 abonnés, donc si t'es toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, franchement ça me ferait super plaisir. Pour ce, bisous.